Il faut faire un tour là où il y a les orphelins. Il faut que ne bisika ba orphelins. Tu vas voir que même le 1er décembre, ils ne fêtent pas. Comment attend 1er décembre, bango ba. Tu vas voir même si c'est le jour de leur anniversaire, ils ne fêtent pas. Comment attend mon colombo, tama na bango ba so fêter. Ils ne fêtent pas. Pour la nini ba so sepelater. Est-ce que ce n'est pas le jour de la fête? Mais c'est parce que les circonstances de la vie ne les permettent pas de fêter. Bien aimé, le problème ce n'est pas la fête. Mais le problème c'est que la fête soit fêtée. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir tu vas fêter ta fête. Mais dans ce monde, les hommes peuvent t'aider, te soutenir quand il faut pleurer. Tu peux voir les hommes autour de toi être toujours là quand il y a un problème dans ta vie. Mais le jour où tu dois fêter, les hommes commencent à avoir la haine contre toi. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, la haine de tes ennemis ne t'empêchera pas de fêter ta fête. J'étais en train de dire, la haine de tes ennemis ne t'empêchera pas de fêter ta fête. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée de fête. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La Bible dit qu'à Cana il y a eu aussi une fête. Et la fête de Cana a invité les gens. On a organisé les gens. Donc tout ce qu'il fallait pour la fête, il y avait. La Bible dit, aussi longtemps que la fête continuait, au moment où la fête était en train de se dérouler, il y a eu manque de vin. Amen, amen. Amen. La fête était là. La fête était organisée. Il y avait aussi des invités. Donc la fête de ce jour-là était en train d'être fêtée. Et la Bible dit quand elle continuait la fête, il y a eu manque de vin. Bien aimé, c'est pareil à la vie de chacun de nous. La plupart des gens, ils sont en train de vivre le jour de leur fête. Mais dans leur fête, il y a toujours quelque chose qui fait que la fête puisse sécher. Bien aimé, le travail que tu as eu, tu l'as bien commencé. Bien aimé, la relation que tu as eu, tu l'as bien commencé. Le travail que tu as eu, tu as commencé à la porte. Maintenant tu es secrétaire. Mais à un moment, tu es en train de voir que la fête est en train de finir. C'est de telles personnes que je suis venu parler ce soir. C'est de telles personnes que le Seigneur m'a envoyé avec le message de ce soir. Les personnes qui étaient déjà dans la fête, les personnes pour qui la fête avait déjà commencé. Mais du coup les choses ont changé. Mais du coup les choses ont basculé et la fête est en train de partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de pâte. La Bible nous parle de l'organisateur de la fête. Ça veut dire dans cette fête il y avait l'organisation. Ça veut dire dans cette fête il y avait tout été bien organisé. Mais comment le vin pouvait finir dans une fête où il y avait l'ordonnateur, il y avait l'organisation? La fête était bien organisée. Ils ont invité les gens. Mais ce n'était pas encore de la l'heure de la fin. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de vin. Parce que quand il n'y a pas à boire dans une fête, il n'y a pas moyen qu'on puisse se réjouir. Parce que la fête, c'est un lieu de réjouissance. Je suis en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que le vin puisse finir dans cette fête? Je suis en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que je commence bien? Mais à un moment, ça ne marche pas.
Je suis en train de me poser des questions. Il y a eu quelque chose qui est venu dans ma vie. J'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit merci. Je suis même passé devant les gens. J'ai témoigné le Seigneur. Mais comment c'est fini? Mais comment ça n'avance pas? La fête était en train de basculer dans le négatif. Parce qu'il n'y avait pas de vin. Je me suis dit, comment est-ce que dans une fête organisée, après un moment, avant la fin de la fête, on peut manquer le vin? Bien aimé, le problème de ce vin, le vin qui était dans cette fête, premièrement, c'était le vin fait par les mains des hommes. Le vin qui était dans la fête, c'était les vins faits par les mains des hommes. Les hommes ont voulu se réjouir. Les hommes ont voulu faire la fête. Les hommes ont voulu danser. Mais ce qui faisait leur fête venait de la main des hommes. Bien aimé, tout ce qui vient de la main des hommes ne nous amène pas la satisfaction. Tu m'as pas compris. Je veux parler à notre personne. Ce que l'homme fait a toujours une date où on fait ça, une date où on organise cela, et ça aussi une date d'expiration. Bien aimé, si tu t'attaches aux choses que les hommes ont fait, ça va finir par expirer avant le temps, et tu vas vivre la vie de cette fête. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est mal à nos jours, même à l'église, les gens aiment amener des choses faites par les mains des hommes. Même dans les choses de Dieu. Bien aimé, comme nous sommes réunis ce soir, nous sommes dans une fête. Mais dans la fête comme pareil, une fois que nous amenons ce qui vient de main des hommes, la fête ne va pas durer. Et ce que j'ai constaté dans cette fête, la fête a commencé comme si c'était une fête. La fête a commencé comme si ils étaient en train de boire. Le vin était là. Les gens se réjouissaient. Mais la Bible dit, à un moment, il y a eu manque. Bien aimé dans les Seigneurs, aussi longtemps que les hommes amènent des choses des hommes, à un moment, les choses des hommes vont disparaître. À un moment, les choses des hommes vont diminuer. À un moment, les choses des hommes vont nous décevoir. Je veux te dire une vérité. Quand tu t'approches de l'homme, aussi longtemps que tu t'approches, tu vas constater comment il est petit. Amen, amen. Amen. Il y a seulement Dieu. Lui, quand on s'approche de lui, il nous révèle sa grandeur. Mais tu peux voir grand de loin. Tu peux contempler une personne, l'envier de loin. Mais si tu t'approches de cet homme, tu vas comprendre que ce que tu voyais de loin n'est pas vraiment ce que cet homme-là. Bien aimé, aussi longtemps que tu t'attaches aux hommes, tu seras toujours déçu. Alors dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais, dans la fête de ta vie, ne t'attache pas aux choses qui sont faites par le main. Je suis venu dire à quelqu'un, amen, amen. Je veux le dire en français. Un homme ne peut pas booster l'autre. Un homme ne peut pas faire du bien à l'autre. Si tu vois un homme faire du bien à un homme, ça veut dire que cet homme n'est pas seulement le bien qu'il a fait. Il a été utilisé seulement comme canal. Bien aimé, le bien que nous voyons dans ce micro, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire les biens que nous voyons dans ce monde, ce sont les œuvres de Dieu. Mais l'homme qui fait, il n'est pas source.
Il est seulement canal. Amen, amen. Amen. Maintenant, avant d'être attaché à quelqu'un, il faut savoir de quel canal il tire sa source. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un tire sa source de main des hommes, si quelqu'un tire sa source de choses de ce monde, bien aimé, ne pense pas que tu es en train de fêter. Tu peux fêter le matin. Tu peux fêter à midi. Mais avant que ça soit le soir, il n'y aura pas de fête. Fête parce que le vin auquel tu t'es attaché, c'est le vin donné par le main de Dieu. Amen. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y a eu une fête. Et dans cette fête, on a invité les gens. Parmi les invités, il y avait aussi un homme. Cet homme, c'est le Jésus de l'homme de Galilée. Cet homme, il est aussi dans la fête. La Bible dit bien, Marie, la mère de Jésus, était invitée dans cette fête. Jésus aussi, accompagné par ses disciples, ils étaient dans cette fête. Alors que la fête était en train de changer, au lieu que ça puisse être un lieu de jouissance, c'était devenu un lieu de sécheresse. C'était devenu un lieu de problème. Bien aimé, je suis en train de parler de la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un qui commençait comme s'ils étaient dans la joie. Quand tu étais en train de commencer, tu pensais que ça allait bien. Mais en t'attachant à quelque chose qui ne venait pas de Dieu, les choses ont commencé à changer. Bien aimé, la Bible dit, Marie a constaté. Elle a constaté qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que Marie a constaté? Marie a constaté. Bien-aimés, vous savez, les problèmes peuvent arriver. Nous pouvons vivre et marcher dans le problème. Mais aussi longtemps que tu n'as pas constaté qu'il y a un problème, il y a difficulté que les changements viennent. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mais je suis en train de voir une femme quelque part en train de dire amen. Et la femme, c'est quelle femme? C'est cette femme que pendant la nuit, elle s'est couchée, elle dormait. Et il y a une autre de ses amies qui s'est couchée sur son enfant. La Bible dit que le matin quand elle s'est réveillée, je ne sais pas si pendant la nuit, elle était en train de chérir cet enfant. Or que cet enfant était changé. Elle était en train de chérir. Mais la Bible dit quand il s'est fait le matin, elle a constaté que l'enfant qui était dans ses mains ne l'appartenait pas. Et quand elle a constaté, c'est quand le problème, le changement de son problème a commencé. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore constaté, aussi longtemps que tu n'as pas encore la prise de conscience, aussi longtemps que tu n'as pas encore vu que la vie que tu vis, ce n'est pas la vie que tu devais vivre. Rien ne peut changer. La Bible dit Marie a constaté. Et Marie dit à Jésus, il n'y a pas de vin. Mais je suis en train de me poser une question. Marie, est-ce que Jésus vendait le vin? Est-ce que Jésus connaissait l'histoire de vin? La Bible dit que son père était charpentier. Donc Jésus pouvait avoir la connaissance dans la charpente. Mais comment Marie, sa mère, la personne qui est censée de connaître mieux son fils, au moment où il y a un problème, ce n'est pas un problème de chaise, ce n'est pas un problème de faire le bois, mais c'était un problème de vin. Marie est en train de dire, on n'a pas de vin. Et ce qui m'a enseigné beaucoup,
C'est la réponse de Jésus. La Bible dit, Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Je suis allé demander à Jésus. On n'avait pas de besoin de l'heure ici. On ne parlait pas de l'heure. Ici, il y a un problème de vin. On t'a posé un problème de vin. Mais pourquoi tu vas susciter le problème de l'heure? L'heure de Jésus n'était pas encore arrivée. Nous allons comprendre pourquoi. Et la Bible dit, Marie continue. Qu'est-ce que Marie dit? Marie dit, elle appelle les serviteurs. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que la prière dialogue. Non, j'ai dit, c'est que la prière dialogue. C'est que la prière parlée. C'est que la prière demandée. Ne peut pas faire. Là où ça se limite. Mais la prière faite ne peut pas être bloquée. Tu m'as pas compris. J'étais en train de dire, là où la prière parlait a eu des empêchements d'accomplissement ou des oxements, mais la prière faite ne rate jamais. Alors si tu pries comme tu es venu prier ce soir, tu es gêné, tu as gêné, tu as parlé, tu as même crié comme Bartimée, mais rien ne change dans ta vie. Bien-aimé, change de méthode. Ne parle pas. Contrôle ce que tu es en train de faire. Parce que là où le parler n'arrive pas, le faire arrivera. My God. Marie connaissant ces choses, Marie, elle a dit à Jésus, oh, plutôt elle a dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé, je suis parti parler un peu avec Marie. J'ai posé une question à Marie. J'ai dit, Marie, qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce que tu peux demander le vin à un enfant que tu connais que lui il est charpentier? Marie a dit que l'enfant que vous voyez, moi je le connais très bien. Je connais cet enfant. Il n'est pas seulement enfant, mais j'étais encore, j'étais vierge, je n'avais pas encore connu d'homme. Au moment où je ne connaissais pas d'homme, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Et quand l'ange était en train de venir, il m'a dit, tu vas enfanter, mais tu ne vas pas enfanter comme tout le monde. Il m'a dit, Jason, j'ai posé à l'ange une question. J'ai dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur toi. Tu tomberas enceinte et tu ne vas pas enfanter un homme. Mais pourquoi Marie n'a pas enfanté un homme? Parce qu'on peut enfanter un homme que par un homme. On peut enfanter un chien que par un chien. On peut enfanter le lion que par un lion. Mais quand on parle de l'esprit, donc cet homme n'était pas l'homme, mais cet homme était l'esprit. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir je ne parle pas de mon père. En plus il est parti avant. Il a fui ses responsabilités. Mais je suis en train de parler d'un homme esprit. Bien-aimé, la Bible dit, Marie a dit, faites ce qu'elle vous dira. Et quand il a commencé à dire,
Il n'a pas dit comme tout le monde. Il n'a pas parlé comme tout le monde. Bien aimé, les stratégies de Dieu pour ta bénédiction ne se fera pas comme tout le monde. Les hommes peuvent t'attendre à gauche. Les hommes peuvent t'attendre en haut. Parce qu'ils connaissent la logique de choses. Mais les stratégies de Dieu, ce n'est pas comme les hommes. Bien aimé, Dieu peut nous dire là que nous puissions sortir pour aller en ville. Au lieu que nous puissions prendre boulevard et nous demande prendre boumbo. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important dans ce que Dieu dit, ce n'est pas seulement la manière qu'il est dit, mais c'est la finalité de ce qu'il dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a dit quelque chose, même si tu marches, tu vois comme si ce n'est pas ce qu'il a dit. Bien aimé, Nazalaka têtu quand il s'agit de ce que Dieu m'a dit. Si Dieu a parlé, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 18 ans, ça finira par s'accomplir. Alors je suis en train de déclarer pour la vie de quelqu'un. Et je suis en train de prophétiser. Je prophétise sur ta vie. Tout ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. La Bible dit, c'est là que je veux commencer mon message de ce soir. La Bible dit, le Seigneur a parlé. Il a dit, allez prendre le vase qui sont là dehors. Je suis en train de me poser une question. Pourquoi le Seigneur voulait seulement les vases qui étaient dehors? Selon le juif, c'était les vases de purification. Ces vases-là, ils avaient aussi ce privilège-là d'être même à la fête. Mais le problème avec ces vases, quand la fête s'est passée en l'intérieur, ces vases étaient à la porte. Tout ce qui s'est passé, ces vases étaient à la porte. Mais il y a des choses qui m'ont poussé à aimer les vases. C'est pour cela ce soir, je suis venu parler des vases. Les choses qui m'ont poussé à aimer les vases. Premièrement, les vases avaient cette capacité de supporter la saleté des autres. C'était des vases de purification. C'était destiné à laver les gens les pieds. Après avoir monté, descendre, ce que tu as fait, les vases n'étaient pas là. Ce que tu as mangé, les vases n'étaient pas là. Mais quand tu veux entrer dans une fête, avant d'entrer, les vases doivent te laver les pieds. Autrement dit, pasteur, personne ne pouvait accéder à la fête s'il n'était pas purifié. Donc les vases, ils avaient la dernière décision de qui peut entrer et qui ne peut pas entrer. Or que la salité ne pouvait pas entrer, mais les vases rester avec la saleté afin que les autres puissent bénéficier de la fête. Bien-aimé, si tu veux voir la main de Dieu, je suis venu parler à une vase. Une vase, les autres fêtent en ce moment. Les autres sont en train de se réjouir en ce moment. Quand on veut sélectionner les gens, on les sélectionne, toi on te laisse. Quand on veut faire une liste, toi on oublie même ton nom. C'est de ces vases que je suis venu parler. C'est de ces vases que je suis venu parler ce soir. Écoute-moi. Ce qui fera et que tu sois le choix de Dieu. Avoir l'esprit de couvrir les erreurs des autres.
Actuellement dans le monde et l'église de mon pays, nous sommes en train de souffrir parce que les hommes cherchent tes erreurs pour te diminuer. Les hommes font tout, cherchant ce que tu peux faire de mal. Tu peux tout faire de bien. Tu peux faire des choses bien. Mais ils vont se poser une question. Pour dire, est-ce qu'il a des efforts? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Allez fouiller un peu dans son passé. Allez voir un peu quand il était encore étudiant. Allez voir un peu quand il était encore élève. Bien-aimé, les hommes en train de souffrir. Parce que les hommes cherche tes erreurs pour te faire tomber. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux être le choix de Dieu, afin d'être parmi, je veux te dire une chose. L'heure est déjà venue où le Seigneur veut ramener la joie dans la fête. L'heure est déjà venue où le Seigneur veut ramener le réveil dans l'église. L'heure est déjà venue où le Seigneur veut ramener le cœur des fils à leur père. Mais le choix se rassure de personne de maturité. Quelle met la maturité nous exige d'être des personnes capables à supporter les erreurs de autres. Bien aimé, parce qu'une personne mature est caractérisée par l'amour. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne sauras pas porter les erreurs des autres, c'est difficile que le Seigneur puisse t'utiliser. Il y a encore une chose qui m'a poussé à aimer ces vases, parce que ces vases c'était des vases patients. Aïe aïe. Bon, si tu ne dis pas amen, amen, je veux parler aux choristes. J'étais en train de dire, j'ai aimé les vases. Parce que les vases, c'était des vases patients. La patience des vases avait deux volets. Le premier côté de la patience, la Bible dit, le Seigneur a dit, remplissez de l'eau jusqu'à ce que ça va arriver au bord. Je n'ai pas vu de vase bouger aussi longtemps que ce n'était pas rempli. Bien aimé, le problème avec le ministère de nos jours, le problème avec le monde d'aujourd'hui, nous voulons faire dans un jour ce que Adi Nabal a fait dans les années. Nous voulons devenir Mike Kalambay. Dans deux jours, ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Bien aimé, si tu veux faire des choses avec Dieu, au moins si tu fais autre chose. Mais si c'est le Dieu dans sa présence, si c'est le Dieu de la Bible, sois patient. Le foot arrive. Je veux aller vite. Le deuxième côté de sa patience, je l'ai dit en passant ici, le vase restait à la porte, les autres allaient fêter. Le vase pouvait voir la porte de la fête, mais ils ne pouvaient pas entrer. Bien aimé, dans la fête, bami côté la caté. J'étais en train de dire, dans la fête, parmi côté la caté, actuellement, tu peux venir comme ça. Dans la fête, on n'entre pas. Là où tu peux entrer comme tu veux, c'est dans les lieux de deuil.
C'est dans les lieux de problème. Bien aimé, quand il s'agit de la fête de quelqu'un, si il s'agit de la fête de quelqu'un, même si j'ai envie d'y aller, aussi longtemps qu'il ne m'a pas invité, je ne pars pas. Je ne parle pas seulement de la fête. Je parle aussi de la chaise. Je parle de la position. La Bible dit, si tu arrives quelque part, ne choisis pas la première place. J'aime la Bible. La Bible dit de peur qu'au milieu de vous, il y a une personne qui est plus que toi. Alors on va venir les placer là. Et toi, on va te rentrer là-bas. Je sens envie de le dire. Bien aimé dans le Seigneur, quand je suis venu dans sa présence, j'avais tellement envie de venir ici, mais le Seigneur m'avait mis là-bas. Bien aimé, je n'ai pas couru, je n'ai pas fait des efforts, je suis resté là où le Seigneur m'a mis, comme celui qui l'avait dit. La Bible dit, on a pris le vin, on a rempli le vase, et quand on était en train de remplir le vase, le vase était plein. Et Jésus a dit, prenez cela, donnez à l'ordonnateur, il va donner aux gens. Et ils ont pris ce vin. Ils ont amené à l'ordonnateur. Cet homme était ordonnateur. Cet homme était organisateur. Ça veut dire qu'il avait maîtrisé tout ce qui était là. Donc il connaissait aussi que ces vases, c'était des vases de purification. Mais il a vu des gens amener le même vase et lui dire, goûte ça. Bien aimé dans le Seigneur, ce que j'ai aimé parmi le choc que je n'ai pas aimé avec cet ordonnateur, ce que j'ai aimé, l'ordonnateur a goûté. La chose qui a poussé à l'ordonnateur de goûter, c'est parce qu'il avait la confiance en ses collaborateurs. Bien aimé, si l'ordonnateur avait dit, je connais ces vases, ce sont des vases de purification, ça veut dire c'est sale, je ne peux pas goûter à ça, il allait tuer la fête. Mais cet homme a eu confiance à des gens qui l'entouraient. Et ces gens, ce n'étaient même pas les organisateurs. C'était des serviteurs. Bien aimé, ça ne veut pas dire si Dieu t'a placé quelque part, c'est toi seul qui as ce pouvoir de faire rentrer le fait. J'étais en train de dire, si le Seigneur t'a placé quelque part, ça ne veut pas dire c'est seulement toi qui as le pouvoir de faire que le fête recommence. Bien aimé, la fête peut recommencer juste parce que tu as fait confiance à sa rive. La fête peut recommencer juste parce que tu as fait confiance à Nathan. Et Nathan amène la fête. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas aimé pour aller vite. La Bible dit quand il a goûté, il a dit, appelez-moi un peu l'époux. Et quand on a appelé l'époux, celui qui était l'organisateur, bien aimé, c'était une fête de mariage. Donc en cas de problème,
en cas de problème, la personne qui pouvait donner la réponse, c'était l'époux. Parce que c'est l'époux qui l'honore sa femme. C'était une fête de mariage. Et cet homme a suivi la règle. Il a dit, appelez-moi un peu l'époux. Il a dit, toi, souvent, nous, on sert ce qu'il y a avant. Et après, quand nous serons ivres, nous pouvons aussi donner ce qui est mal. Qu'est-ce que j'ai appris dans ça? Cet homme vivait vraiment dans la manière des hommes. Les hommes de ce monde, ils ont besoin de tout commencer bien. Ils ont besoin de venir et donner de bonnes impressions. Ils ont besoin, quand il arrive, que tout le monde puisse voir quelque chose. Mais ce qui va venir après, ça ne me concerne pas. Mon problème, c'est quoi? Quand j'arrive, on me donne les opportunités. Quand j'arrive, on puisse me mettre telle part. Je peux tout faire pour arriver à cela, même si je connais que dans la suite je ne peux pas. Ça, c'est le cœur des hommes. Ça, c'est la manière des hommes. Les hommes aiment commencer bien, même s'ils finissent mal, c'est pas un problème. Mais je connais un homme, je connais un homme. Ah, je dis à ces gens, je connais un homme. Cet homme, lui, il a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et quand il disait ces choses, j'ai compris quelque chose. Bien aimé, ce que tu as reçu par la prière, ce n'est pas ton argent qui va faire que tu puisses le maintenir. Ça, c'est fort. Tu n'as pas compris. Je disais, ce que tu as reçu par la sainteté, ce n'est pas tes prières des jeunes qui vont faire que tu puisses le maintenir. S'il y a quelque chose que tu as reçu quand tu priais, que tu veux le maintenir, prie encore. Reste dans la prière. Reste dans la prière. Si c'est la sainteté qui t'a donné ce que tu as, bien aimé, garde la sainteté. Bien-aimé, je suis en train de chuter. Ici déjà. Mais il y a quelque chose que je vais encore toucher au vase. En fait, quand j'étais en train de méditer sur ces choses, j'avais compris que ces passages bibliques n'étaient pas n'importe quoi. C'est un grand gibier. C'est un grand gibier. Ces passages bibliques, c'est un grand gibier. On ne peut pas les déchirer le même jour. On ne peut pas les servir le même jour et tout finir le même jour. Il y a des passages dans la Bible. C'est comme le poisson. On peut le faire vite fait. On mange, après c'est fini. Mais ces passages, c'est un grand jour. Ça demande beaucoup de temps. Et puis ça demande des experts dans la matière afin de couper et de servir petit à petit. Parce que ceux qui peuvent lier nyonso, et comme ça, leur constipation. Amen. La Bible dit, ces gens, c'était des serviteurs. Ces vases servaient aux autres. Ces vases servaient les autres. Bien aimé, j'ai vu les disciples appeler Jésus. Ils ont dit, qui est grand au milieu de nous? Qui est grand au milieu de nous? Le Seigneur dit, c'est celui qui servira les autres. C'est celui qui va servir les autres. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre génération, c'est vrai, nous voulons être grands. Et c'est vrai, nous sommes appelés à la grandeur. Depuis que je vis cela, je comprends que le chemin de la grandeur, c'est être serviteur. C'est être serviteur. Si on peut parler des vases aujourd'hui, c'est parce que les vases servaient les autres. Mais il y a eu des invités de valeur.
Il y a eu des gens de valeur dans cette rose. On ne parle pas d'eux. Parce qu'eux, ils étaient dans les honneurs. Aussi longtemps que les vases servaient. Je veux citer par là. La Bible dit, on a appelé l'époux. On a posé à l'époux une question. Ça, je suis en train de parler au berger Omar. On a posé une question à l'époux. On a dit, monsieur, mais comment tu as fait? Ce que je constatais, la Bible dit, l'époux n'a rien répondu. Et directement, l'écrivain là a passé à autre chose. Pourquoi l'époux n'a pas répondu? Pourquoi il est resté calme? Or qu'il avait, c'est lui le maître de tout. Celui qui a acheté tout. La Bible même a dit qu'on a appelé l'ordonnateur. Donc lui, il servait seulement à l'organisation. Mais le maître de la fête, c'était l'époux. Mais maître de la fête, comment tu ne parles pas? Est-ce que tu peux poser la question à celui qui est à côté de toi? Dis-lui, monsieur, mon époux, comment tu ne parles pas? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la fête. Or que la fête a commencé avec une personne. La fête, il y a un maître de la fête. Parce que ça fait un temps dans le monde. Il y avait un problème. Il y avait des soucis. Le Seigneur a organisé une fête. Et cette fête-là a commencé juste pour quelques jours. Et à cause du péché, il n'y a pas eu fête. Et quand la fête a disparu, l'homme ne pouvait pas vivre. La fête était finie. La fête est finie. Mais la fête a repris avec quelqu'un. Et ça a repris à la croix. Quand il est venu, il a pris tout. Il a dit tout est accompli. Et la fête a repris. C'est pour cela l'époux m'a appelé à côté pour me dire, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Parce qu'ici, je ne suis pas seul. Il y a le vrai époux. Le vrai époux est venu. Moi, je dois me taire. Bien aimé, quand l'époux parle, l'époux de l'autre fois doit se taire. Ah, tu m'as pas compris, je savais. Je disais, quand l'époux parle, les autres maris est en train de me dire amen. Pourquoi Élie dit amen? Parce qu'il dit, on était au Mont Carmel. Il y a eu des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, Bazalaki. Babandi. Babandi Kobe na Baal. La Bible dit, ils ont tout fait pour appeler Baal. Mais Baal ne répondait pas. Bien aimé, s'il persévérait, c'est parce qu'il savait que Baal répond. Vous savez pourquoi Baal ne répondait pas? Parce que Baal, quand il arrivait, il regardait. Il a vu non. Là, je ne peux pas répondre. Parce que le Dieu d'Elie était là. Bien aimé dans le Seigneur, l'époux est resté calme. Parce que déjà le vrai époux avait parlé. Bien aimé dans ta vie, dans ta famille. Tous ces gens qui t'ont porté hier, tous ces gens qui ont fait des choses dans ta vie hier, ce soir, ils ne peuvent pas parler parce que le vrai époux Jésus, il est entré dans le jeu. La fête a repris, pas par les mains des hommes, mais la fête a repris par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce qu'on compte les malicolos? Nous allons prier les Seigneurs. C'est bon de la Zambé. Nous allons prier. Bien-aimé, il y a une fête qui était finie. Et ça n'a pas dit mon corps et bon, il s'est marqué.
Mais celui qui organise les fêtes plus que les hommes est en ces lieux. Celui qui peut faire taire l'époux de ce monde. Celui qui s'est révélé à la montagne. La Bible dit quand l'ange, quand la lumière est apparue. Pierre est en train de poser la question. Est-ce que nous pouvons faire trois tentes? La Bible dit que Élie et Moïse et Moïse se sont retirés. Pourquoi? Parce que l'époux était déjà là. Je suis venu dire à quelqu'un, ne pleure pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te lamente pas. L'époux est là. L'époux est déjà là. Celui qui est digne, celui qui reprend la fête. Tu vas prier selon la manière dont tu as reçu ce message. Tu vas dire, Seigneur, j'étais une vase rejetée, une vase sans valeur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans le nom de Jésus-Christ? Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Par rapport à comment tu as entendu la parole de ce soir. Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Quel message? Quel message? J'ai retenu une chose. Les vases qui étaient dehors, qui n'étaient pas destinés à entrer. Mais le moment est venu où les vases sont entrés. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Il viendra un moment où tu vas entrer en scène. Même si tu es dehors, même si tu n'es pas encore activé, il viendra un moment où ça sera ton tour. Je veux quelqu'un prie et dise, Seigneur, Seigneur, je suis patient. J'attends mon tour. Je suis patient. J'attends le temps. Le temps où tu vas me valoriser. Le temps où tu vas me valoriser. Je servais à rien. Il arrivera un moment. Toi qui ne sers à rien, tu seras le bonheur de beaucoup. Il arrivera un moment. Toi qui pleures aujourd'hui, tu seras une joie pour beaucoup. Il arrivera un moment. Toi qu'on rejette aujourd'hui, on te cherchera. On te cherchera. Je suis en train de prophétiser. Il arrivera un moment. Toi qu'on enterre aujourd'hui, tu vas ressusciter plusieurs. Ces vases servaient à la purification. Ce que j'aime avec ces vases, ils sont au début de la fête. Ils sont à la fin de la fête. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre Dieu est Alpha, il est Omega. Il n'y a que lui qui peut mettre un point dans ta vie. Que le Seigneur fasse ça avec toi. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu élèves ta main droite. Tu vas bénir l'homme de Dieu. Dis Seigneur qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Seigneur, aiguise-le encore. Aiguise-le encore. Et oigne-le. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen.
Ce que j'ai aimé dans cette intervention, c'est la position des vases. Alléluia. Amen. C'est la position des vases. Ces vases étaient dehors. Les gens fêtaient, les gens criaient, les gens dansaient, les vases étaient dehors. Bien, garde ta position. Garde ta position. Ne sois pas tourmenté. Les autres sont en train de fêter. Il arrivera un moment, ça sera ton tour. Alléluia. Amen. Le Seigneur voulait prendre ce qu'on a exclu pour le faire entrer. Parce que la Bible dit, il prend l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Il prend le pauvre et le fait asseoir avec le riche. Il prend le rejeté pour le placer dans son sein. Sois tranquille. Je veux que tu mettes ta main droite sur ton cœur. Dis, mon cœur soit tranquille. Mon cœur soit tranquille. Mon temps arrive. Dis, mon cœur soit tranquille. Mon temps arrive. Le temps où je vais attirer les regards de tous. Aujourd'hui, personne ne sait te voir. Personne ne fait cas de toi. Il y a des gens qui peuvent ne pas te saluer. Mais demain, ils viendront te chercher. Ils viendront te saluer. Dis à ton cœur, garde silence. Garde patience. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le moment des offrandes. Prépare ton offrande. Nous allons offrir à Dieu. Bisso, tozo bonje la Zambé. Alléluia.